La famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce des dieux. Aujourd'hui, je suis dans la joie de vous reprendre encore dans une nouvelle vidéo cuisine et table. Voilà, table pour la Pâque, table quand vous avez des invités ou quand vous avez juste envie de faire un dîner spécial pour votre famille. Voilà, on va démarrer avec cette vidéo. Là, j'avais besoin d'assaisonner mon poulet que j'allais utiliser plus tard pour faire mes petits tacos, voilà. Sinon, si vous avez les poitrines de poulet là qui n'ont pas des os, vous pouvez toujours utiliser. Moi, j'en avais pas. Voilà pourquoi j'ai pris un petit poulet au frigo que j'ai assaisonné avec l'assaisonnement créole injectable là. Et j'ai mis un peu des thym au-dessus, un peu des sprays d'huile juste pour mettre ça au four. Ensuite, je pourrais utiliser ça pour faire mes tacos. Si vous me découvrez pour la première fois et que vous aimez mon contenu, en tout cas, considérez de vous abonner. Quand vous abonnez, activez également la cloche notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci beaucoup de nous rejoindre. Merci à vous tous qui vous abonnez. Merci à mes anciens, nouveaux abonnés. Vous m'encouragez, ça me fait vraiment du bien. Je vous remercie infiniment. Aimez cette vidéo, commentez, partagez et passez des bonnes fêtes des Pâques avec vos familles. Après 50 minutes au four, voici mon poulet à côté pour faire mes tacos. J'avais besoin des tortillas à base de maïs. Voilà, j'avais besoin d'un peu d'ail au cas où l'assaisonnement n'est pas bien rentré à l'intérieur. Un peu de sel, un peu de poivre noir et un peu de sauce piquante. J'avais également besoin de suffisamment de fromage. J'ai utilisé les cheddar cheese. Voilà, là je vais juste rapidement découper mon poulet, enlever tous les os. Je vais garder que la chair, que la viande. Je vais pas garder les os. Voilà, et vous allez voir à quoi ça va servir. Là, j'ai terminé de découper mon poulet. Je vais venir assaisonner un tout petit peu parce que l'assaisonnement n'était vraiment pas bien rentré à l'intérieur puisque je n'avais pas suffisamment d'assaisonnement créole pour le petit poulet. Là, j'ai mis de l'ail en poudre, un peu de sel et un peu de poivre noir. Je vais venir ajouter ma sauce piquante. Après la sauce piquante, j'ai également ajouté un peu d'oregano. Ça, c'est optionnel. Si vous voulez pas d'oregano, vous écartez ça. Je vais bien mixer le tout. Ensuite, je vais les envelopper dans mes tortillas à base de maïs et nous allons les frire. Voilà, j'ai coller les tortillas à l'aide des cure-dents. Voilà. Alors, quand j'étais en train d'envelopper le poulet à l'intérieur des tortillas, j'ai remarqué que ça s'est coupé beaucoup. Alors, je suis allée sur Google pour chercher les astuces pour que ça ne se coupe pas. J'ai vu qu'il fallait les mettre dans le micro-ondes pour une minute, ensuite commencer à les utiliser. Mais malgré ça, ça continue toujours à se déchirer un peu. Mais j'essaie de faire ça le plus tendrement possible pour que ça ne se coupe pas. Voilà, j'ai quand même réussi à envelopper mes tacos. Ensuite, voilà, on va les frire. Thank you.
Et là, j'ai frit mes tacos pour 1 à 2 minutes. L'huile était chaude, c'était juste le temps que ça change de couleur et puis c'est bon. Si vous voulez pas frire pour que ça prenne beaucoup d'huile, vous pouvez passer ça également au four, ça passe. Moi, j'ai préféré frire pour moi, voilà. Je voulais que ça soit bien croustillant. Et c'était un peu pimenté. Mes enfants n'ont pas pu manger ça, donc diminuer le piment dans votre assaisonnement si vous faites ça pour les enfants. On va passer à notre deuxième plat qui était le chou aux saucisses et bacon. Voilà, dans ma poêle, je vais faire venir un peu d'huile d'olive. Je vais frire les saucisses et bacon. Le temps que je serai en train de frire les saucisses et bacon, je vais profiter pour couper mes autres ingrédients dont chou, poivron rouge et oignon. Saucisses et bacon frits, je vais les sortir de l'huile réservée des côtés. Ensuite, dans la même poêle, je vais faire revenir mes poivrons et mes oignons. Je vais les frire pendant quelques minutes. Quand les oignons deviennent transparents, je vais ajouter un peu mon ail. Voilà, j'ai pris l'ail émincé, j'ai ajouté de l'ail, j'ai frit un peu. Ensuite, je vais rajouter mes choux. Voilà, quand les choux prennent dans l'huile et tout, c'est bien mixé. Je viendrai ajouter mes assaisonnements. Voilà, je vais bien frire ça, bien tourner à un feu doux. Il faut vraiment se rassurer que le feu est doux pour que ça ne brûle pas. Voilà ce que ça donne. Ça donne juste envie. Ces choux, cette recette, elle était juste trop délicieuse. Je vous conseille d'essayer. Là, j'ai découpé également mes bacon et mes saucisses de côté. Mais avant de les mettre, je vais assaisonner. Voilà, j'ai mis un peu de bouillon, un peu de paprika et un peu de persil. Voilà, je vais bien mixer le tout. Bien tourné, voilà, ça donne envie de manger. Même à regarder la vidéo, j'ai juste envie de manger le chou. Oh waouh, c'était trop bon. Voilà, j'ai pas mis le sel parce que le saucisse et les bacon étaient déjà salés. Donc j'ai mis juste un peu de bouillon pour rehausser le goût et j'avais pas besoin de sel. Recette, je vais faire le poulet au miel, voilà, avec la sauce miel. Devant là, j'ai tous mes ingrédients, voilà, que je vais juste écrire à côté. Dans ce bol, il y a l'oignon, l'ail, thym, muscade, gingembre, paprika, poivre noir et persil. J'ai le miel, un peu de bouillon, un peu d'huile végétale, de l'ail, des citrons et un peu de beurre. Voilà, je vais rapidement assaisonner mon poulet, le placer au four. Ensuite, nous allons passer à notre sauce à base de miel que je vais renverser au-dessus de mon poulet une fois que ça revient du four. Thank you.
laisser le poulet mariner pendant 30 minutes. Ensuite, c'est parti au four à une température de 400 degrés pour une durée de 40 minutes. Avant que le poulet ne soit prêt, on va rapidement passer à la sauce. J'ai mis le beurre, ensuite de l'ail émincé. Je vais faire suivre d'un peu de persil. Voilà, je vais tourner, tourner. Et après, je viendrai ajouter le miel. C'est ça même la spécialité de mon poulet d'aujourd'hui. C'est un poulet sweet, un poulet sucré. Voilà. Un poulet fait avec la sauce au miel. Quand le miel commence à monter, ça fait des bulles. Voilà, je viendrai ajouter le soy sauce pour le goût et même la couleur. Voilà. Là, c'est mon poulet après 40 minutes au four. Vous voyez, j'ai mis ça sur une grille là qu'on utilise pour les biscuits et tout. Voilà, et j'ai mis juste le plateau en bas et l'eau descendait. Le poulet est resté juste au-dessus. Ça cuit vraiment de partout. Donc voilà, c'est juste très beau à voir. Il ne restait plus qu'à mettre ma sauce ou appliquer ma sauce au-dessus de mon poulet, décoré un peu avec du citron, et puis je vais remettre au four pour 15 autres minutes à une température très faible, juste pour permettre à ma sauce de miel de pouvoir pénétrer un peu dans le poulet. Voilà, la sauce, elle était trop bonne, elle était vraiment sucrée, ça donnait juste envie, comme vous voyez sur les images. Je vais mettre ma sauce sur le poulet, je vais décorer avec des citrons et voilà, ça va partir au four pour 15 autres minutes et ça sera tout. N'a pas envie de manger ce poulet, c'est juste trop beau, très bon également. Waouh! Et c'est ce poulet, c'est cette sauce. Je suis sûre que vous allez adorer. On va passer à notre recette de saumon. Je vais les frire. Voilà, comme ingrédient, j'ai de l'ail en poudre, l'oignon en poudre, muscade en poudre, poivre blanc, paprika et persil. Voilà, je vais juste bien mixer le tout. Mais avant d'appliquer ça sur le saumon, je vais mettre de l'huile d'olive sur les saumons. Je veux vraiment bien mettre de l'huile pour que quand je vais mettre les épices, que ça puisse coller. Voilà, puisque c'est en poudre, il fallait qu'il y ait de l'huile sur la peau. Voilà, bien appliqué. Ensuite, ils mettent les épices. Vous allez remarquer que je n'ai pas mis le sel. C'est simplement parce que l'ail en poudre et l'oignon en poudre que j'ai utilisé étaient déjà salés. Donc, il n'y avait pas nécessité d'ajouter encore le sel parce que ça allait déborder. Le sel était déjà dans l'oignon en poudre et l'ail. Voilà.
Puis dans ma poêle, je vais dissoudre le beurre et ici, je vais frire mes saumons. Voilà, après avoir frit d'un côté pour 3 minutes, je vais les tourner et frire encore de l'autre côté pendant 3 minutes. Donc, le saumon ne traîne pas, ça traîne vraiment pas au feu. Donc, prenez pas beaucoup de temps, de peur que ça soit trop dur. Voilà, donc après avoir tourné, j'ai laissé encore 3 autres minutes pour l'autre côté et j'ai pressé le jus de citron à l'intérieur. Quand je parle, j'ai même l'eau à la bouche. Le citron dans les saumons, c'est juste trop bon. Waouh. Cinquième recette, c'est les gratins de pommes de terre. J'avais besoin d'un morceau de beurre que j'ai mis dans la casserole. Je vais dissoudre ça, voilà. Comme vous voyez, ensuite, je viendrai ajouter de l'ail. Après de l'ail, j'ai ajouté la farine de blé et puis je vais continuer à tourner. À ce niveau, vous n'avez pas le droit de vous reposer. Continuez à tourner vraiment pour qu'il n'y ait pas de boule de farine ou quoi que ce soit. Voilà, là j'ai rajouté un peu de farine, je continue à tourner, voilà. À cette pâte, je suis venue ajouter le lait. Voilà, j'ai mis suffisamment de lait. Après, je vais tourner quand même quelques 2-3 minutes. Et puis, je viendrai ajouter du fromage. Voilà. Au moment où j'ajoute du fromage, je n'arrête pas de tourner. Donc, je dois tourner jusqu'à ce que tout le fromage se dissoude dans la sauce. Voilà. Donc, ne prenez pas le temps de vous reposer à ce point. Sinon, ça peut faire des boules. Vous avez besoin juste d'une bonne texture là. Voilà. Une bonne bouillie. Ça va faire style bouillie, que ça soit vraiment bien dissous à l'intérieur avant que vous n'ajoutiez vos pommes de terre. À ce niveau, je suis prête pour ajouter mes patates coupées en tranches très fines dans la sauce ou cette pâte de cheese et tout. Voilà, vous avez tout vu. Je vais bien mixer le tout, vraiment que ça prenne un peu partout. Ensuite, je vais transférer ça dans mon plateau de cuisson et placer ça au four. Je vais placer ça au four pendant 40 minutes. Voilà.
J'ai couvert mon plat de cuisson pour que le fromage qui est au-dessus ne brûle. Donc, je ne sais pas si vous couvrez, en tout cas moi, je couvre avec le papier aluminium pour que le fromage du dessus ne puisse pas brûler. À ce niveau, j'ai couvert d'abord, ensuite j'ai mis au four pendant 40 à 45 minutes. Voilà, j'ai pas pu filmer la suite, je sais pas ce qu'il y a eu, mais j'ai pas retrouvé ces images-là. Sinon, nous allons retrouver notre gratin à la fin quand je vais dresser la table. Voilà, à côté, j'ai fait une petite salade de légumes et pâtes. Les pâtes ici, j'ai trouvé ça très intéressant, les pâtes de Easter. J'ai eu ça à Aldi à 1 $ something. C'était, je pense, 1 $ 70 quelques cents. J'ai aimé ça. J'ai juste mis de l'eau chaude. J'ai mis un peu d'huile. Voilà, un peu d'huile végétale et un peu de sel. Voilà, j'ai bouilli mes pâtes. Ensuite, à côté, j'avais découpé les concombres, les petites tomates, cerises là. J'ai pris les oignons, un peu de brocoli que j'ai aussi cuit et un peu des raisins. J'ai pris le rouge et le vert et j'ai tout mixé. Voilà ce que ça donne. Je pouvais pas tout filmer parce qu'il y avait les enfants qui me dérangeaient un peu. Donc, j'ai découpé hors caméra. C'est juste ce que je vous ai cité là, concombre, tomate, raisin, brocoli, pâte. Voilà. Je vais tout mixer et mettre mon dressing italien. Donc, j'ai utilisé un dressing italien simple que j'ai mis à l'intérieur de ma salade. Et voilà, voici le résultat. Je crois que je vous ai déjà partagé une salade pareille. Je pense que si je trouve la vidéo, je vais mettre le lien dans la description pour ceux qui ne comprennent pas cette explication rapide. Oups, on passe à table. Voilà, comme petite décoration, j'ai mis juste le chemin de table. Ensuite, j'ai fait suivre mes fleurs là, le pot de fleurs qu'il y avait sur la table. J'ai sorti le fleur là et puis je les ai étalées sur le chemin de table juste pour faire une déco un peu spéciale. Voilà, j'ai pas acheté des décos spéciales pour Pâques. Voilà. J'ai créé avec ce que j'ai et la table était jolie. On va dresser la table ensemble, voilà. J'espère que je vais vous donner quelques idées pour votre table de la fête de Pâques. N'est pas dormir ici, je vais juste vous expliquer rapidement comment j'ai décoré cette table et puis on va se dire au revoir. Voilà, j'ai mis le chemin des tables comme je disais au milieu, j'ai mis les fleurs, voilà, sur le chemin de table.
Ensuite, j'ai mis quatre sous-plats en argenté là. Ensuite, j'ai mis d'autres sous-plats en acrylique, voilà, transparent avec des marques gold tout autour, au-dessus. Puis j'ai mis l'assiette. Voilà, j'ai mis quelques miroirs, quelques petites miroirs sur la table. Voilà, au-dessus desquels je vais mettre mes bougies. Voilà, mes bougies blancs. J'avais également deux bougeoirs, mes deux grosses bougeoirs de la salle à manger que j'utilise pas régulièrement. Je vais aussi les ajouter sur la table avec ces autres bougies sur les miroirs. Ça sera juste très joli. Voilà, j'ai pris les serviettes, je les ai juste pliées comme ça et les ai déposées au-dessus de mes assiettes. Puis je vais mettre les couverts à côté, ajouter les deux grosses bougeoires. Ensuite, je vais placer la nourriture. Je pense que c'est tout. Voilà, je vais passer ça rapidement. Je vous ai quand même expliqué, comme ça va aller plus vite parce que si je laisse toutes les images, ça va prendre une éternité. J'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Voici ma table bien garnie avec de la bonne bouffe pour ma famille. Nous avons passé un bon moment. La table était juste très jolie. C'est pas tous les jours qu'on fait la table de cette façon, mais quand vous avez la chance, le temps ou l'occasion de le faire, pourquoi pas faire plaisir à votre famille. Moi, j'ai fait cette cuisine avec beaucoup de joie, surtout j'ai filmé avec beaucoup de plaisir pour vous inspirer. Je vous souhaite des très bonnes fêtes des Pâques. En tout cas, que Dieu vous bénisse, vous avec vos familles. Aimez cette vidéo, commentez, partagez. Je compte vraiment sur vous pour les maximums de likes et des partages. Commentez si vous avez du temps, voilà. Ça me fait énormément plaisir. C'est toujours un grand plaisir de vous lire. On se retrouve dans ma prochaine avec le même plaisir et la même motivation. Prenez bien soin de vous. Pour le dessert, j'avais juste acheté un gâteau à Walmart qui était déjà fait. C'était au frigo qu'on a fini de manger. On a partagé le gâteau. Voilà. J'ai pas eu le temps de filmer tout ça parce que j'étais très occupée à profiter de la bonne bouffe et de ma famille. Prenez bien soin de vous. On se retrouve dans ma prochaine. Bye bye. On se dit bye par ces belles images. Je vais quand même vous laisser le temps d'admirer et de vous inspirer. Ciao.